Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oui, béni soit le Dieu d'Israël. Shalom, frères et sœurs en Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Dieu qui nous redonne le souffle de vie en ce matin, qui nous donne la grâce de voir ce nouveau jour naître et de vivre ce nouveau jour dans la paix et dans la joie. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos foyers. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour tes bienfaits et tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Béni sois-tu pour ta présence, pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, pour nos frères et sœurs qui se sont bien réveillés aujourd'hui, pour la paix dans nos familles et la joie dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Éternellement béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Seigneur Jésus nous dit en ce jour, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oui Seigneur, nous voulons être membres de ton corps, membres de ta famille, membres de cette famille divine que tu as rachetée au prix de ton sang. Nous voulons que tu ouvres nos cœurs à la parole de Dieu. Que nous puissions l'aimer, l'écouter, le méditer et nous nourrir de cette parole qui fait du bien à nos corps, à nos âmes et à nos esprits. Cette parole qui nous édifie et qui nous donne de marcher dans ta lumière et dans ta grâce. Que ta parole, Seigneur, soit lampe sur nos pas, lumière sur nos routes. Qu'il nous éclaire dans les ténèbres de l'ignorance. Quand le doute nous assaillit, quand la peur nous saisit, que ta parole, Seigneur, nous donne l'assurance, la force et la vigueur pour triompher de toutes les situations de nos vies. Jésus, béni soit ta parole qui éclaire nos cœurs et nos âmes. Béni soit le Verbe qui s'est fait chair. Oui, béni soit le Dieu qui nous parle. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Au désert, tu l'as édifié par tes préceptes et tes commandements. Et tu ne cesses de nous parler aujourd'hui. Toi, le Dieu qui n'est ni sourd ni muet,
Tu nous parles chaque jour dans le fond de notre cœur pour nous indiquer le chemin qui mène à la vie en abondance, à la paix parfaite, à la joie parfaite. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons que tout au long de cette journée, que tu nous parles, que tout au long de cette journée, que tu nous instruises, que tout au long de cette journée que nous allons vivre avec toi, que tu nous édifies, que tu nous éclaires. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin d'entendre ta voix, ta douce voix qui nous fait du bien, qui nous élève, qui nous fortifie, qui nous console. Béni sois-tu, Seigneur. Avec Marie, notre modèle, elle qui a su accueillir la parole de Dieu, qui l'a laissée germer en elle pour porter le fruit du salut éternel. Nous te disons, Seigneur, parle-nous, que ta volonté soit faite dans nos vies, que tout se passe pour nous, que tout advienne dans nos vies selon ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous abandonnons à ta divine volonté tout au long de cette journée. Et te disons, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Béni soit l'alpha et l'oméga. Alléluia. Béni soit Jésus, notre rédempteur. Que soit béni aussi l'Esprit consolateur. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu Israël. Nous avons prié et nous confions cette journée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.